Si certains ont fait leur rentrée le lundi 4 septembre, d'autres profitent encore des beaux jours et de cette semaine estivale qui se profile en France. C'est le cas de Laura Smet. Celle qui pose généralement ses valises dans le bassin d'Arcachon, et plus précisément à l'Ège Cap Ferret, pendant les vacances d'été semble y être encore. Chaque été, la fille de Johnny Hallyday retrouve ce village où elle a épousé Raphaël Lancret-Javal en 2019, avec ce dernier et son fils Léo, né en 2020. Mais pas seulement, puisque le Cap Ferret est devenu ces dernières années un lieu de villégiature attirant de nombreuses célébrités. Ce mardi 5 septembre, Laura Smet a partagé une photo en story sur Instagram. On peut voir la mère de famille de 39 ans en compagnie d'un célèbre chanteur et ami de son père, Pascal Obispo, lui aussi un habitué des lieux depuis des décennies. Visiblement en train de prendre le soleil, puisqu'elle porte des lunettes noires, Laura a tagué le chanteur et écrit en légende, avant la rentrée. Café chez l'ami. Laura Smet, au calme dans ce lieu qu'elle aime tant, les deux amis ont l'air ravis de se retrouver, l'actrice en débardeur noir et l'interprète de Tomber pour elle, L'île aux oiseaux, en t-shirt blanc et lunettes vissées sur le nez. Laura Smet regarde l'objectif alors que Pascal Obispo sourit, tout en ayant les yeux fermés. La fille de Nathalie Baye aime partager les coulisses de ses vacances avec ses abonnés et n'hésite pas à leur partager régulièrement les magnifiques paysages du Cap Ferret. Elle dévoile aussi un peu de sa vie privée donc, comme le 7 juin où elle a posté une photo de son amoureux, avec en légende, à bientôt 10 ans, à deux, je le redis, je t'aime. Le message était accompagné d'un émoji cœur. Elle s'était d'ailleurs confiée sur cette stabilité familiale qui lui fait du bien, dans les colonnes du magazine Elle en juillet, avec mon mari, on va fêter nos 10 ans ensemble, si est-il du sérieux. Cette assise familiale en béton me porte. Avec mon frère, aussi, depuis tout ce qui s'est passé, on forme un clan très soudé, comme une meute de loups, si est-il une force formidable. Avec sa famille et ses amis autour d'elle, Laura Smet respire le bonheur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Pierre Perusso. I just need